you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou mes beautés, aujourd'hui je vous retrouve pour l'ouverture de la box Bella Boostée. Donc c'est une box bijoux dans la même lignée que Emma et Chloé. Et vu que je voulais pas me cantonner à une box bijoux pour vous en proposer d'autres avec voilà des genres et des tarifs différents. Donc voilà ce que ça donne. La boîte est en carton recyclé je pense. Parce que vraiment, donc hashtag Bella Boostée, bien sûr, on est bien d'accord. Alors, ils m'ont laissé un petit mot, donc je le lis, voilà. À l'intérieur du carton venait un sac Bella Boostée, mais il est là-bas. Donc voilà, il est magnifique aussi. Avec ce logo dessus, en fait, il est en chanvre, c'est un sac en chanvre, avec ce logo dessus magnifique, doré, particulièrement joli, quoi. Donc voilà. Ensuite, ben, en fait, c'est une box de 3 produits. Alors, je ne sais pas s'il y a les prix à l'unité sur chaque produit. Alors, je commence avec un bracelet à breloques. Donc, qui se présente comme ça. Je suppose que vous verrez correctement, puisque là, il y a une tour Eiffel, je crois. Et je le vois dans le retour caméra, donc je pense que vous verrez. Là, c'est un petit cœur, normalement. Là, c'est un arc de triomphe. Donc, en gros, sur le thème parisien, il est au prix unitaire de 7,90€. Donc je pense que vous pourrez avoir sur le site tous les produits en version unitaire si vous voulez pas la box complète. Alors comme d'habitude je vais faire un bruit du tonnerre parce qu'effectivement quand on reçoit ça et j'ai comme d'habitude tête de linotte, je n'ai pas pris de paire de ciseaux. Est-ce que j'ai un couteau? La meuf qui a un couteau tout le temps, tu sais, vaut mieux avoir une paire de ciseaux qu'un couteau, mais bon. Voilà, donc je sais même pas ce que je fous avec un couteau ici en fait. Un truc de ouf. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et au niveau de la taille, c'est nickel parce que même pour les rondes, ça passe. Donc ça, c'est un peu mes frayeurs quand j'ose pas acheter. C'est parce que je sais que, vu que. Alors arrêtez de me dire non, je suis pas grosse. Si, je suis grosse, c'est parce que la tête, ça va, mais le reste. Voilà, je vous dirai pas combien de kilos je fais maintenant, mais moins que quand j'ai allaité, bien sûr. Voilà, et donc ça donne ça. Personnellement, je trouve ça mignon, mais pas pour mon âge. À 32 ans, les breloques, ça reste quand même. Surtout le maillon, je sais pas, le maillon il me pose problème. Le maillon, il est gros, il est carré. Le maillon, je sais pas. C'est carré, c'est. C'est pas. Je sais pas. Pour moi, ça reste trop masculin. Je sais pas, ça fait masculin. Là, je bug dessus. Hein. Je bug dessus. Voilà. Donc, c'est vous qui voyez. Mais moi, personnellement, je pense pas que pour mon âge, ce soit. Donc, si vous êtes plus jeune, oui. Donc, je pense que ça ira parfaitement à Paloma qui a 13 ans. Qui va, ben, sur. Je sais même plus quel âge elle a ma nièce. Ah non, elle a pas très. N'importe quoi. Elle a 11 ans parce qu'elle rentre en 6e. Donc n'importe quoi. Donc je pense que ça lui fera hyper plaisir. Je pense lui offrir parce que honnêtement, je pense pas le porter. On va bien être clair là-dessus. Donc ça, vous avez mon premier ressenti sur le premier produit. C'est l'âge hein, qui pose certainement le souci. Parce que franchement, je peux pas. En deuxième, alors ça par contre, j'apprécie beaucoup plus. C'est une paire de boucles. Donc avec des. Parce que mon Hugo, il est là-bas, donc je vérifie quand même qu'il ne fasse pas trop de bêtises. Voilà, c'est une paire de boucles d'oreilles. Alors ça, elle a l'air magnifique quand même. Je vais tester tout de suite. Attends voir. Parce que c'est vrai que on n'en a jamais de trop, en fait, des pendantes. Moi, j'en mets très rarement. J'ai plus l'habitude, en fait. Donc avec les cheveux attachés, non. Mais avec les cheveux détachés, je pense que ça ira. Donc, bilan mitigé cochon d'Inde. Non, mitigé cochon d'Inde. Voilà. Je sais pas si vous le dites par chez vous, mais nous, on le dit par chez nous. Donc voilà, mitigé cochon d'Inde. Je pense que là, tout de suite, là, comme ça, non, j'aime pas trop. Mais avec les cheveux lâchés, je pense que ça passera beaucoup mieux. Puis c'est peut-être le temps de m'habituer aussi, hein, parce qu'honnêtement, quand on reçoit les produits comme ça et qu'on les teste... Des fois, on n'est pas forcément habitué. Et après, ça devient des tops et on ne peut plus s'en passer.
Mais là, par contre, je vais vous présenter le truc, donc le mieux de tout le... Là, il n'y a pas de prix, donc je ne peux pas vous donner le prix à l'unité. Alors là, par contre, le truc qui... J'adore vraiment. J'adore. C'est ce choker-là, ce collier comme ça. Ça, j'adore. Vraiment. Alors, j'espère qu'il est aussi bien que le bleu que j'avais acheté chez Moa. Mais ça, c'est particulièrement le genre de choses que j'affectionne particulièrement. Il est sublissime. Ah ouais, il est canon. Il est trop canon. Alors, franchement, je sais pas ce que ça donne en caméra. Mais c'est le genre de collier que j'aime beaucoup. Voilà. Alors celui-là, 100%, j'adore. Enfin, voilà. Si je devais commander un produit des trois sur le site, ce serait celui-là. Franchement, je vous l'avoue. Après, le bracelet, je tique un peu. Et les boucles d'oreilles, je pense que oui, je suis mitigée. Mais moi, oui, je pense que ça pourrait aller. Je suis pas tout à fait contre l'idée. Donc, 2 sur 3, c'est quand même pas mal. Sublissime, celui-ci. J'adore vraiment. Je pense qu'il sera sublime. Alors, surtout en argenté comme ça, j'adore. Vous savez que le doré, je ne peux pas. Ça ne me va pas. Mon doudou qui pleure. Donc, je vais aller le voir. Donc, je vais mettre un terme à la vidéo. Mais celui-ci, je suis trop ravie. Trop ravie parce que ça, j'adore. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Vous avez, je pense, un code promo, donc tout est dans la barre d'infos. Je vous laisse ça pour que vous sachiez que la marque a fait l'effort aussi de vous gâter. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, je vous embrasse, ciao. Are you listening?